Hey tout le monde, c'est Jonathan, on se retrouve pour le troisième épisode du DLC numéro 3 de Spider-Man PS4. Le retour de Silver Sable, c'est ça? Je me rappelle déjà plus du nom. Bref, donc, salut Peter. On je voulais juste dire a Miles que qui pas nous sorti appelle. De chez moi. Très bien, d'accord, ravi bonjour. D'entendre. Quoi de neuf? J'ai écouté la radio de la police. Il se passe des trucs sans arrêt dans toute la ville. C'est dingue. Ouais, impressionnant, hein. Comment tu fais? Je veux dire, tu peux pas être partout à la fois. Souviens-toi de ce que disait May. Sauver une personne, c'est sauver le monde. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire. Ok. Tu te souviens de la dame qui est venue au Fist avec ses deux enfants l'autre jour? Celle qui venait d'être expulsée? Ouais. Quand elle a retrouvé un boulot, juste avant d'emménager dans son nouvel appartement, elle m'a dit « Dès que je recevrai mon premier salaire, je donnerai ce que je pourrai à ce refuge. » On l'a aidée et maintenant elle veut aider les autres. C'est comme un multiplicateur de force. C'est ça. May était vraiment incroyable. C'était la meilleure. Je t'enverrai une adresse dès que j'aurai réglé tout ça. Alors, c'est vrai. Et pense à emporter Silence Toile. Enfin! Ok. Merci Miles pour ton intervention. Qui d'ailleurs appelle beaucoup dans ce troisième DLC. Hein. Je crois que dans les deux autres, il avait appelé une seule fois, voire à max deux fois, j'ai pas souvenir que ce soit autant. Est-ce qu'on aura le droit à un quatrième appel? Je ne sais pas. Donc les amis, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Eh bien je ne sais pas, puisque là, il n'y a rien actuellement. Il se passe rien. J'avais infiltré les égouts, et j'avais trouvé ces zones-là, voilà, rappelez-vous, là, j'avais trouvé le dictaphone. On dirait qu'il y a un tueur en série, les gars. Je sais pas si je dois le trouver maintenant. Chercher des indices. Des indices. Là. La carte de visite de mon informateur mystère. Est-ce que ce serait pas là-haut? Non, c'est là-bas. Le dictaphone, il est là-haut. Mais oui, que suis-je bête? Il est là. Non? C'est relié à ça, c'est-à-dire qu'il est là-haut. Probablement. Je pense qu'il est là-haut. Ah bah oui, il est là. Ok. Ah ouais, comme il n'y a pas de mission, un autre je suis un peu obligé de police. Faire ça. Et un autre dictaphone. Tac. Je ne me sens pas très à l'aise. Nous devrions sans doute arrêter la séance. Désolé, Doc. Je voulais pas vous faire peur. Je suis juste un peu parano en ce moment. Je vous l'ai dit. Boulot stressant. D'accord. Parlez-moi de votre travail. Décrivez-moi une journée type. Une journée type? Le matin, je me lève, je regarde mes messages pour voir de qui je dois m'occuper, je vais me chercher à bouffer, j'essaie le régime keto, vous connaissez? Ensuite, je fais le job. Des fois, ça gicle un peu, alors je rentre me changer. L'après-midi, j'essaie de faire du sport, et puis je rentre manger. Pardon, je vous interromps. Quand vous dites de qui je dois m'occuper, qu'est-ce que ça signifie? Qui le boss me demande de buter. Je suis pas mauvais d'ailleurs. Je me suis fait une petite réputation. J'ai l'impression que c'est un assassin de la Magia. Ouais. J'ai l'impression que c'est qu'un morceau de l'histoire. Je devrais essayer de trouver. Ah bah si c'est un mec comme ça, un random, c'est pas marrant. Je pensais que ça aurait été un ennemi connu de Spider-Man, quoi, un truc comme ça. Ça n'a pas l'air. Bon, sinon on me donne une mission à quel moment là? On n'a pas fini le DLC non plus là. Ne me dites pas que ça s'arrête là. Ah tiens, il y en a encore un là. Allez hop. Alors, je crois que peut-être chauffe. Ici. Soit en bas. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus en bas. Même pas mal. Ah ouais, le gars est tombé sur une rambarde de sécurité. Ok. Ça doit être dans le coin. Alors là, pour le coup, je vois rien. Ah si. Celui ah qui ouais, d'accord. Est fan il de est la là, couleur ça, jaune. Ah, c'est bon. Il y a un appel. Retrouvez-moi à ma base. Je voulais vous demander comment vous pouvez avoir une base dans cette ville sans que je sois au courant. Toujours aussi sympa. Ok. Pourquoi elle me raccroche toujours au nez? Du coup, sur le trajet. Elle a pas fait exprès.
peut-être que ça a coupé. Ouais, vas-y, Spidey, là, tais-toi. Elle attend que je la rappelle. Est-ce que je prends le risque de prendre ou l'enregistrement alors, elle a peut-être plus de crédit sur son forfait. Vas-y, tais-toi, bon, mec. Ça compte peut-être comme un appel à l'étranger. Mais putain, il parle trop, mon gars. C'est un monologue. Mais de toute façon, cela ne nous regarde pas. Il continue. Mais d'après le rasoir de Cam. Ah, vas-y, c'est bon. Je le prends pas. Il m'a saoulé. Tu vas voir qu'il va arrêter de parler après. Qu'elle me déteste. Regarde, il va plus parler. Ouais, la logique est souvent. Ah, non, il continue, ça va. Ou pas. De toute façon, l'enregistrement, il aurait pas fait long feu. Hein. Je suis à côté. Hein. Ouais, c'est vraiment à côté. Hein. Bon, bah, on saura pas. On n'en saura pas plus sur Mystérieux Assassin. Hop. Hop. Il faut qu'on parle hop. De cette mégalomane avec ses. Ah, Jameson, ça faisait longtemps. Pour commencer, comment je n'apprécie pas de l'avoir assuré la promotion de Spider-Man, cet insecte. Hop là. Mettons-nous au travail. Oh, on va ailleurs. Alors elle est où cette fameuse passe dont vous parliez? Ah ouais, d'accord. Plus cool que les miens. J'adore le coup de la forteresse flottante invisible. Mais maintenant qu'on la voit, Hammerhead va plus tarder à débarquer. J'espère bien. Ne perdons pas de temps. Je me suis procuré un canon laser de classe 5. Faut le calibrer pour éviter qu'il n'entre en surchauffe. Une chance pour vous, je suis justement expert en calibrage. C'est parti! Oh non, le retour des mini-jeux. Mettez le module du laser en place. Tout de suite. Non, même pas. Oh, ce laser stylé. De fou. Ensuite. Dispositif fixé. Et voilà le travail. Ce n'est pas terminé. Ah. Il faut réinitialiser les bornes du champ de visée. Pas de problème. Je sais pas du tout de quoi on parle. Sortez du hangar et grimpez au sommet des émetteurs à proximité. No problemo. Il faudrait qu'on parle de notre stratégie pour Hammerhead, non? Il n'y a rien à dire. On le trouve, on braque le laser sur la plaque qu'il a dans le crâne, on fait chauffer l'acier au carbone jusqu'à ce que sa structure moléculaire se déforme. Et on la ramollit pour que je puisse l'assommer. Non, jusque-là, ça va. Mais vous êtes sûr qu'on va pas lui faire frire le cerveau, non? Quand le loup attaque l'agneau, il risque d'être tué par le berger. Tout à fait. Puis-je rappeler au berger qu'on s'est mis d'accord pour ne pas tuer? Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Le système semble fonctionnel. Il faut maintenant tester la visée et le niveau de puissance. Cool. Vous allez pas me tirer dessus, au moins? Pas cette fois. Mais il va falloir que vous lanciez ces cibles. D'accord. Ok. Prête? Prête. Sorgue les bombes! Dans la ville! Ah oui, d'accord. Cool. Ça marche bien. Encore quelques-unes. Pas de problème. En voilà une autre. C'est bon, on va pas le tester toute la journée non plus. Eh, c'est la variante militaire du Valtrap. Oh, on peut en faire encore une, s'il vous plaît. Vous êtes un vrai gamin. Ouais, bah on est tous des enfants au fond de nous. Mais c'est bon là! Putain, c'est forceur mon frère! Wow. C'est bon. Il nous reste une chose à faire. Ok, j'arrive! Il faut ajuster le stabilisateur de vol gyroscopique pour compenser le poids du laser. Accédez à ce terminal et attendez que j'active le système. Ça? Système ouais. Paré. J'y vais! Ok, ça devrait le faire. Ah bah tiens! Voilà. Vous faites équipe maintenant?
patronions. Mais ça ne changera rien. Wow. C'est direct. Vous pouvez me réparer ? C'est comme ça. Ok. Je continue à distraire Armored. Et voilà. J'ai l'impression que ça ne lui fait pas de dégâts. Je tenais à te remercier de m'avoir montré ce qu'il me manquait depuis tout ce temps. Si je veux régner sur cette ville, je dois me moderniser, évoluer. Il fait mal. Là. Dès que oui. Je vous aurai tué tous les deux. Tiens, Bolos. Le laser est de retour. Maintenant, je peux l'approcher. Pas mal. Ouvre les yeux. Tu peux pas me tuer. Là, on continue. En fait, tu lui casses la jambe. Ok, c'est bon, j'ai compris quand même. Hop, c'est bon. Allez, vas-y, Sam. Brûle-lui la tête, là. Et là, je le défonce. Ah. C'est parti de mon pouvoir. Ah, je peux lui faire un truc direct. Toi, tant que tu voudras, je suis indestructible. Je vais même le refaire. Il y a des mecs. C'était pas prévu ça. Sors tous les gars. Wow, 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 wow. Ah, ça c'était pas prévu du tout. Genre, hop. C'est une qualité, mais ça ne te sauvera pas. Mec, je l'enchaîne. Allez, vas-y. Tu vas voir. Allez. Un début de migraine, peut-être. Si je veux, je lui fais ça. Je lui fais ça. Boum. Oh là 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 là, c'est trop. C'est trop. C'est pas humain ce que je lui ai fait. Attends, ce que je peux faire aussi. Ça. Hop là. T'es doué, petit, mais tu as une taille contre moi. Ah. Allez. Allez, Silver. Je vais bien dégommer. Oh. Non, ne me tue pas. Ne me tue pas, frérot. Oh putain. Comment je fais pour être en vie? C'est la bonne question du jour. Mort. Non, 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 oui, oui, allez, c'est bon. J'espère que c'est la dernière. Tellement de données. Allez, ouais, c'est bon. C'était tendu. Toujours pas de respect. Il y a l'ennemi à côté. Tu sais ce que je respecte ? Ceux qui savent s'avouer vaincu. Ils savent même pas quoi faire, les gars. Oula. Merde, je l'ai raté. Continue à tirer. La prochaine fois, on l'aura. Ah, parce que c'est pas terminé. Oh, t'es un bâtard. Oh, ça va être tendu tous les mecs qu'il y a, mon gars, je vous jure, c'est chaud. Hein. Je dois attraper les bombes telles larges. Lancer des bombes de sable sur Amerel. Ok. Très bien ça. Merci, très bien. Vas-y. Maintenant. Ouais, bien vu. Bien vu moi-même. J'adore ton magie sale. Dommage. J'ai l'impression que ça me fait rien. Attends, je vais faire ça. Est-ce que là je peux le taper du coup? Ah oui, c'est bon. En fait, ça lui désactive son bouclier. Oh putain. Ah, c'est bon, il l'a remis. Ok, j'ai compris maintenant. À
Vas-y, renvoie. Renvoie Michel. C'est trop. Ok, j'ai un compte à régler. Wow. Mais bon, maintenant. Allez. Il est vraiment dur ce combat. Hein. C'est pas de la gnognotte. Je vais vous donner une chance. Rejoignez-moi. Vous mourrez. Tenez-vous prêts. Hop là, raté. Hop. J'ai écrasé celui-là, c'est bon. Vous ne me battrez jamais. J'ai l'impression que c'est... Hop là. Wabdou babidoua. Wabdou babidoua. Wabdou babidoua. Waouh. Allez, allez. Non, il s'est libéré, putain. Eh, vous saoulez, les gars. Sortir tout mon attirail. Hop là. Ah mais non. Putain. Vraiment être rapide. Allez hop. Ah oui bien sûr. Ah oui. C'est bon. Mais laissez-le moi, bordel. C'est chiant, hein. Pas possible. Ah, vous faites chier. Possible. Oh purée. Ah, je vais vous frapper. Les ennemis me saoulent. Je vais en laisser qu'un comme ça. Qui vont respawn. Son bouclier est à tête. C'est indestructible, hein. Tu vas voir. Ah, c'est bon, je l'ai. Allez, c'est bon. Viens là, Silver Sable. C'est la bonne. Hein. Encore apparemment. Oh là là. Oui. Oh bah oui, il m'a remis des mecs. Salut les petits loups. Comment je fais ça? Gros putain. Oh j'ai qu'un de vie. Attends. Ah purée, j'ai fait un missile de Silver et je suis mort. Et voilà, bravo Jonathan. Hop là. Amène-toi, insecte. Tu insistes. Faut pas qu'il me touche. J'adore combattre ton sable. Dommage que je dois m'en servir pour t'éliminer. Je vais t'achever. Allez hop. Je te déglingue. Tac. Il est dur là. Il est dur. What? What? C'est pour ce coin là. Tenez-le. Ah c'est bon, c'est la fin. Soyez prêts. Allez vas-y. On va foncer dedans. Oh non. Et moi. Oh oh.
Bon, c'était fun. Dites, vous êtes prise ce soir? Je connais une bonne pizzeria. Je dois rentrer en Simkari. Bien sûr, vous avez un combat à mener. Je n'aime pas me battre. Je le fais uniquement pour aider mon peuple. Je sais. C'est ce que font tous les héros. Je ne suis pas une héroïne. Mais vous m'avez appris des choses. Ah ouais? Comme quoi? Déstabiliser l'ennemi avec des blagues nulles? Alors, non, mes blagues sont hilarantes. Mais l'humour, c'est subjectif. Merci, Spider-Man. Merci pour tout. Même pas en rêve. Ouais, non. Bien sûr. Dites, vous voulez bien me déposer en ville? Non, je sais nager, hein, mais mon costume va sentir le poisson pendant des mois, alors... Les amis, s'il vous plaît, me dites pas que c'est terminé. Please, please. Non. Je sens le générique. Oh, Excelsior, à la mémoire de Stan Lee, qui nous a tous inspirés. Ah oui. À la mémoire de Stan Lee, qui nous a tous inspirés à repousser nos limites. Ah, les amis, c'est triste, hein. Stan Lee qui nous a quittés. Il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et bah c'est la fin les amis, mais je pense qu'il y a une scène finale, donc on va passer et on va la découvrir. C'est parti. J'espère, hein. Croise les doigts. Prêt ? J'ai l'impression que les lance-toiles sont un peu serrées. Tu vas t'y faire. Allez, essaie de suivre. Et merde. Ah ok, j'aurais... Ouais, fin de partie, trophée obtenu, Spider-Man, bravo, vous avez terminé le scénario, le retour de Silver. Ainsi s'achève la saga, la ville qui ne dort jamais, bien joué, héros. Bon, tenue cyborg Spider-Man. Mais ces hommes courent toujours. Ok. Eh oui, pas de repos tenue disponible, pour les ok. Alors, je vais vous la montrer très rapidement. Tac, tac, c'est laquelle? Alors, on a... Ah oui, la cyborg, elle est magnifique, regardez. Elle est magnifique. C'est un espèce de... Comment il s'appelle, là? Shredder, dans les Tortues Ninja, avec son bras, là. Bah, il me fait penser à ça. Voilà. Je vais la mettre, d'ailleurs, tiens. Grave stylé, mon gars. Voilà. Et du coup, ouais, je suis un tout petit peu déçu. Parce que j'aurais bien voulu une petite scène... Ou un petit message qui nous dit qu'en fait, eh ben, c'est pas vraiment le dernier DLC, qu'il y en aura un autre, je sais pas. Bon, indirectement, il dit que c'est la fin du chapitre La ville qui ne dort jamais. Il est possible qu'il y ait un autre chapitre qui arrive, mais... Voilà, ils auraient pu mettre un petit message plus... j'arrive pas à trouver le mot. Vous m'aiderez dans les commentaires. Plus explicite, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Bref, bah voilà les amis, ce que je peux faire à la limite là, parce que là la vidéo elle dure pas très longtemps, soit vous arrêtez là, soit je vais faire tous les... Enfin, je vous cache pas que j'ai un peu la flemme là, parce qu'ils sont éparpillés un peu partout sur la map. Là, y en a un 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 là, ouais y en a plein. Bon, après, ça va, c'est pas non plus très très... Vas-y, je vais les faire. On va trouver... je pense que vous avez envie de voir l'identité du tueur. Non ? Bah, j'espère juste que c'est pas de la dope, quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que c'est pas un random. Voilà.
Hammerhead ne serait jamais allé si loin. Mais sinon, en termes d'histoire, bah, c'est terminé. En termes de DLC, là c'est du bonus, la vidéo. Si vous restez jusqu'au bout, vous me dites. Vous me direz dans les commentaires. Alors, ok, j'ai bien compris que les indices semblent être ici. Oula, oula. Mais je comprends pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça, là, aussi complexe. Avec des fils partout, là, c'est chelou. Ah, il est là, c'est bon. Il est là. Si je ne dis pas de bêtises, il est là. D'après la police, c'était un suicide. Mais il y aurait été sceptique. La victime était un membre du gang d'Hammerhead. Écoutons ce qu'on a sur ce dictaphone. Alors Doc, vous en pensez quoi? Eh bien, d'un point de vue clinique... Ah non, en fait, je crois que c'est même pas... Ouais, c'est une victime, le gars est mort, non? Vous n'êtes clairement pas stressé. Et je doute que vous... Attends, je vais quand même me diriger pendant que ça discute vers le prochain. Mais il a disparu. What? Ah, je dois attendre. Bon, de toute façon, je crois que le prochain était vers là. J'ai un problème. Alors, pourquoi êtes-vous venu me voir aujourd'hui? Vous êtes futé, hein? Ok, on va jouer franc jeu. Si vous faites sagement ce que je vous dis, j'irai pas tuer votre famille. Wow. Vous voulez jouer franc jeu? Très bien. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je vous ai reconnu à l'instant où vous avez franchi cette porte. Et je peux vous dire qu'avant que je fasse quoi que ce soit pour vous, vous allez faire quelque chose pour moi. Ça, je m'y attendais pas. Ces scènes de crime ressemblent à des exécutions déguisées de la Magia. Et si l'homme qu'on entend sur les enregistrements en fait bien partie, c'est peut-être lui qui a tué tous ces gens. Voilà. Alors. Ah bah, il y en avait un là. Ça va, je suis pas très loin. Je vais peut-être d'ailleurs noter directement le prochain avant de me rendre d'accepter celui-là. Hop. Les unités, les hommes. Je devrais aller voir ça de plus près. Alors. On trouve pas mal de rubans et d'équipements de la police sur chaque scène. Bah pas dur, il est là-haut. Notre inconnu doit y avoir accès. Hop, je note le prochain. Il est là. La personne qui a mis ça là voulait que je me penche sur ces accidents. Quelqu'un a fait une chute mortelle d'ici. La police a conclu un accident, mais ils auraient pu se tromper. Sur le dernier enregistrement, le psy avait pris le dessus sur l'homme de la matière. Content de vous revoir. Asseyez-vous. Avez-vous ce que... Voilà. J'espère que ça résout votre problème de liquidité. Parfait. Cela devrait aller. Merci. Bien, je suppose que vous êtes ici parce que j'ai un certain nombre de patients officiers de police. Vous supposez bien, mais mon boss et moi, on s'intéresse à quelqu'un en particulier. Et qui donc, je vous prie? Le capitaine Yuri Watanabe. Tiens, parle de Yuri. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? J'ai un peu peur d'entendre la suite, mais je peux pas m'arrêter là. Ah, c'est peut-être pour ça. Mais d'ailleurs, ouais, même pas d'infos sur Yuri. Ah oui, c'est trop bizarre ça. Genre le DLC se termine, il n'y a pas d'infos sur Yuri. Ça doit pas alors être loin d'ici. Il est en bas. J'arrive. Hop là. On doit être là. Encore un paquet. Ah bah oui, c'est celui que j'avais loupé tout à l'heure aussi. 10-44. 6 termes de production. Ah, attends. Je le prends pas. J'allais faire cette bêtise. Prendre le prochain. Quelque chose. Je crois que c'est ici qu'un informateur de la Magia a disparu, il y a quelques mois. La dernière fois, il parlait d'obtenir le dossier médical de Yuri. Voilà le dossier du capitaine Watanabe. C'est tout ce que vous avez? Oui. Vous enregistrez pas ces séances? Non, je n'enregistre aucune séance. Ce serait illégal et contraire... Oui, contraire à l'éthique, tu donnes les dossiers des patients. La prochaine fois. Et mon boss voudrait que vous lui posiez certaines questions. Ça vous pose un problème? Non. Aucun problème. Je suis pas sûr que ce soit bien d'écouter ça. Mais il faut que je sache. J'ai l'impression que celui qui a fait ça n'était vraiment pas satisfait du travail de la police. Alors, le prochain est ici. Vous voyez, ça va vite, hein. Mes excuses! Ah, il est un peu plus loin. J'arrête
appeler mon médecin et faites doubler. Mais attends, il est bugué le radar ou quoi? Il y en a deux côte à côte, d'accord, ok. C'est moi qui fais n'importe quoi. J'y étais bien, c'est bien ici, hop là. Excusez-moi. Alors j'ai beaucoup de mal. Du coup, je pense qu'il est. Se balance à travers notre belle ville. Ah bah ça, c'est une bonne question, ça. Il est où? J'arrête. Je crois que je vais faire une crise cardiaque. Ah bah. J'ai besoin de m'allonger un peu, cher. Ah. Non, pas une ambulance. C'est possible. Ah, bien taxi. J'ai un bon de réduction dans mon portefeuille. Alors attends deux secondes. On note le prochain. Ah, non. Yori m'a fait parler d'une noyade ici. Ça lui avait paru suspect parce que la victime était un nageur de haut niveau. Apparemment, tous ses rapports sont datés de cette année. Mais le mois dernier, on dirait que Yuri se laissait tous assigner. Ce serait Yuri qui m'a laissé tous ses enregistrements? Très bien, Yuri. Poursuivons. Vous sentez-vous toujours obsédé par ce suspect? Oui. Parfois, j'ai l'impression que je suis à deux doigts de l'avoir. Et parfois, je suis prête à baisser les bras. Vous faites vos exercices de respiration? Quand j'y pense. Mais... Je sais qui c'est, où il se cache, et ce qu'il a fait. Mais je peux rien faire. Pas sans preuve recevable devant un tribunal. Voilà qui doit être frustrant. Vous n'imaginez pas. On dirait que Yuri suspecte l'homme sur les enregistrements d'avoir tué toutes ces personnes. Et elle a sans doute raison. Ok, le prochain. L'incident a été signalé dans le Meatpacking District. Il est... Il doit être sous le pont, là. Bah ouais, c'est ça. Et du coup... Coucou les gens, qu'est-ce qu'il y a? Je cherche l'enregistrement, en fait. Je m'en cale de vous. Bah, pourquoi ça veut pas s'afficher? Ce serait pas là, non? Mec, pourquoi ça brille pas? Pardon! C'est pas censé briller. Ah là, y'a un truc là. À toutes les unités, un camion transportant des équipements de sable ne répond plus. Rendez-vous dans Chelsea au plus vite. Bah. Oula. On est paumé là. Écoute, il doit être là, mais il ne brille pas. Alors, il y a un petit problème sur celui-là. Est-ce qu'on passerait pas à l'autre? Ou est-ce que je ferais... Je crois que j'ai fait bugger le truc, en fait. Voilà. Là, c'est bon. Je crois que c'est bon. Peut-être fait bugger le jeu. Je pense que c'est par là. Ah, c'est bon, ça brille. Ah bah oui, je l'aurais jamais trouvé. Regarde, il est où? Le dictaphone doit être dans le coin. Il est caché là, là, non? Ah, pas du tout. C'est ça, là? Un autre rapport de police. Mais... La grosse daronne. Je crois qu'une personne a été renversée ici. La victime était censée témoigner contre un homme d'Anorel. Bien sûr, la police n'a jamais retrouvé le coupable. La dernière fois, Yuri avait l'air frustré. Vous n'imaginez pas. C'est tout? Oui. Enfin, nous avons aussi parlé de son traitement, mais... Sa prochaine séance, c'est quand? Pourquoi? Que comptez-vous faire? Je ferai ce que mon boss me dira de faire. Oh non. Il prévoit d'assassiner Yuri? Il faut que j'aille aux autres emplacements. Oula, il en reste que deux. Il n'en reste que deux, et ça va, ils sont pas très très éloignés. J'espère qu'il y a une petite scène à la fin, un truc comme ça. Ça peut être sympa. Enfin, pas une scène, mais je sais pas, où on découvre le mec. On doit aller le tuer, même. Ce serait bien. Enfin, le tuer. Vous avez compris, hein. Spider-Man, il tue pas les méchants. Il est trop gentil. C'est là qu'il mérite de crever, des fois.
Parce qu'en plus, à chaque fois, c'est ça que j'aime pas chez les héros. C'est que, comme ils tuent pas les méchants, bah à chaque fois ils se libèrent hein, au bout de quelques Attention, semaines, quelques mois. Donc voilà, le gars, il... Je crois que je me rapproche. Il les reverra toujours, quoi qu'il arrive. C'est forcément Yori qui dépose tout ça. Alors là, je pense que je l'ai vu. Il est juste là. Tout simplement. Mais il veut pas le prendre. C'est bon. Et le prochain, du coup, il sera ici. Je m'en souviens. Une victime d'électrocution accidentelle qui avait des liens avec Hammerhead. Malgré ses efforts, Yori n'a pas pu prouver que c'était un meurtre. Ses affaires sont de plus en plus récentes. Et celle-ci date d'il y a quelques semaines. Vous avez l'air nerveux. Eh bien, si le chef apprend que je travaille sous couverture pour vous, je risque de perdre mon boulot. C'est peut-être moi qui devrais faire des exercices de respiration. Ça, c'est intéressant. Vous en faites pas. Il en saura rien. Et puis, vous vous en sortez bien. Vous êtes très crédible, en docteur. Ah oui ? Merci. Vous pensez qu'il a vu que vous portiez un micro ? Si c'est le cas, il fait bien semblant. Il est de la magia. Mentir, ça fait partie de son job. Mais la question, c'est est-ce qu'il sait qu'on lui ment ? On saura ça demain, je suppose. Vous êtes sûr de vous ? Si on le coince pour tentative de meurtre sur un officier de police, il prendra perpète. Yori, qu'est-ce que vous faites ? Il faut que je la retrouve. Alors. Prochain indice est ici. Et comme ça doit bugger en fait, quand il y a un enregistrement en cours, faut éviter de venir. Voilà, et là c'est bon, je pense. Ouais, il est en hauteur en plus. Je ne dois pas être loin de la dernière scène de crime. Yori est ce qui serait pas. Où est le dossier ? Oula ! Oula là, ça s'entrecroise. Tac, 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 tac. Attends, ça s'entrecroise, tu vas me dire qu'il est là le machin ? Attends, j'arrive pas à le trouver là. Je suis un gogol ou bien ? Ah, il est au milieu, d'accord, ok. Ok. Je me rappelle. Yori m'a dit qu'ils avaient conclu à une mort accidentelle. Intoxication alimentaire, je crois. Bonjour, capitaine. Vous êtes toujours partant ? Plus que jamais. Le micro est en place. Je me dirige vers mon bureau. Je prends juste un café sur la route. Ok. Quand ce sera terminé, je vous offre un verre. Avec plaisir, capitaine. Même suspendu, Yori refuse de baisser les bras. Ça force le respect. Bonjour. Un grand café, s'il vous plaît. Eh, hey, salut, Doc. À qui vous parliez, là ? Oh. Bonjour. Oh, pourquoi j'ai écouté ça ? Nouvelle mission annexe. Un numéro inconnu. Allô ? Hey, comment on se retrouve ? Yori ? Retrouvez-moi à l'angle de Madison et de la 23e. Il faut qu'on parle. Yori ! Oh ! Attendez ! Oh bah les amis, et dites-moi dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'au bout. J'ose à peine imaginer sa détresse. On retrouve Yori. Alors pourquoi me faire faire une visibilité macabre de ces scènes de crime ? Oh là là ! Ah oui ! Ça c'est bon ça. Je pourrais peut-être l'aider. Est-ce que les vrais abonnés sont là ? Dites-moi les amis, vous mettez le timecode de la vidéo là. Je sais pas combien de minutes ça fait. Vous mettez, par exemple, ça, si vous mettez à la 35e minute, vous mettez 35, 2.00. Je suis là, Jonathan. Voilà. Oh là là, je suis choqué. Heureusement. Eh, comme quoi, il faut faire les petites missions annexes. Hein. Du moins, celle-là. Hein. Allez, let's go. Oh Yuri, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est quoi ce bordel, là ? C'est l'assassin de la magia. Enfin, c'était... Et là... Les dossiers de toutes ces victimes. D'accord, il a tué de nombreuses personnes. Mais ça veut pas dire qu'il méritait de mourir. Yori. Je sais ce que vous pensez, mais laissez-moi vous expliquer. Le système fonctionne la plupart du temps. Mais hélas, pas toujours. Et pour moi, c'est inacceptable.
Certaines personnes s'en remettent au destin, au karma ou à toute autre chose. Moi, je ne peux compter que sur moi-même. Ça ne vous donne pas le droit de tuer. Pourtant, je l'ai fait. Et je vais vous dire, ça fait du bien. Vous allez devoir vous rendre. Pourquoi ? J'ai rendu la justice. La vraie justice. J'ai contribué à l'équilibre du monde. Yuri, vous êtes mon ami. Ne m'obligez pas à vous arrêter. Vous avez votre mission. Et moi, j'ai la mienne. Adieu, Spider-Man. Yuri ! Qu'est-ce que je dois faire ? Je comprends, c'est chaud. Ce qui s'est passé avec Hammerhead. Ouais. Ça fait un moment que Yuri a ça sur la conscience. Elle ne montre jamais ce qu'elle ressent. Ça doit être dur de tout garder pour soi. Mais c'est aussi la personne la plus tenace et déterminée que je connaisse. C'était un sale type, y a pas de doute. Mais de là à le tuer. Balance de la justice terminée. Trophée obtenu, d'accord. Mais est-ce que par hasard, non, on saura pas plus. Donc en gros maintenant, Yuri, indirectement, c'est devenu notre ennemi. Elle a pété un câble, elle en a marre de la justice. C'est, je pense, à peu près pareil qu'elle en plus. J'en ai marre de voir certaines personnes échapper à la justice. On sait qu'ils sont coupables, mais voilà. Ils arrivent à être en liberté, et elle, bah, elle en a marre. Elle en a marre, donc elle s'est fait justice elle-même, elle a tué le gars. C'est vrai que c'est un petit peu... drastique, c'est ça que je veux... Non, c'est pas le mot que je veux utiliser. En fait, je vous le dis, à l'heure où je tourne la vidéo, il est 2h du matin, donc je perds mon français, là. Mais voilà, c'est une manière un petit peu quand même... C'est chaud. C'est chaud, mais le mec avait fait beaucoup de victimes, donc d'un côté, il a ce qu'il mérite. Bref, c'est un débat, ça, les amis. Mais en tout cas, voilà, on sait que maintenant, elle a pété un câble et que, bah, Spidey, hein, vu qu'il veut que personne ne meure, eh bien, il devra l'arrêter. Après, je sais pas s'il y a une autre mission secrète ou quoi que ce soit, ou si ça sera dans le prochain Spider-Man. Voilà, dans tous les cas, on a eu des news de Yuri, c'est ça qu'on voulait. On a torché le DLC. Je pense que, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'espère que... Il y en aura un autre qui sera annoncé, je sais pas. Enfin, j'ai pas envie d'attendre encore des années pour avoir la suite. J'ai surkiffé ce Spider-Man, et là, de me dire que c'est terminé, bah, ça me fout un peu les boules. Ouais. Là, c'est terminé, les amis. Là, c'est fini. Genre, en 2019, janvier, février, mars, il n'y aura plus Spider-Man. Voilà. Bon. Mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce Let's Play en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos, de nouveaux let's play, tout ça. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !